Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition NJPW 1991. On en est à nos deux derniers shows avant notre prochain gros show qui est Escape. Notre pre-booking dans notre main event du prochain show, Antonio Inoki et Tatsumi Fujinami vont affronter Animal Amaguchi et Shiro Kushinaka. Et ça, c'est pour préparer la rivalité entre Inoki et Amaguchi et le match entre Fujinami et Kushinaka au gros show. Donc, on a 6 jours avant notre gros spistac. Oh, on a des emails. Oh, le Great Muta a son contrat qui finit. On va évidemment le re-signer. Pour 3 ans, ouais. Ça a du bon sens. On n'a pas beaucoup de gens qui sont prêts à rentrer en compétition contre nous pour ça. Donc, on est correct, à mon avis. Là. On a mon avis. Regardez, on a un dojo, nous autres, là. Le New Japan Dojo. C'est qui notre trainer? Notre trainer... Moi, je veux que ce soit Riki Chozu, mon trainer, tiens. Okido! Donc, on va continuer d'avancer, hein? Encore cette pub là, j'en peux plus de l'entendre. Ok, encore des pubs. Oh, c'est vrai, on a des lutteurs là, qui se joignent à nous. On va d'abord regarder ça. On a Masahi. Aïe, ouais. Ça est supposé avoir 28 ans. Ça, regardez la face. J'y crois pas. Ça va être un mid-carder heel. Ok, puis pour Yoshiaki Yatsu. Mid-carder face. Ok. On a un peu... je dirais qu'on a ajouté un petit peu de robuste à notre mid-card. Donc ça, c'est bon. Ok, on a encore des nouvelles. Bon. Oh, il y avait In Your House qui a fait un B+. Ok, alors regardez ces résultats-là. Le Sergeant Star a battu Jim Duggan pour le titre de champion du monde. Undertaker a battu Randy Savage. Ok. Texas Tornado a battu Crush. Jimmy Snuka a battu Tito Santana. Brian Costello a battu Albert. Wow. Haku a battu Bushwhacker Luke par disqualification. Le Million Dollar Man a battu Barry Hardy. Ok. Les Rockers ont battu Powers and Glory par disqualification. Nasty Boys ont battu le Orient Express par disqualification. Hey, hein? Et Boris Zukov a battu Coco Beware. Ah ben. Eh ben, puis ça c'est un bon show. Mais c'est bon à savoir ça. Ok, bon, il n'y a pas grand chose qui nous concerne. Regardez les nouvelles. Oh, Raquel Hernandez est blessé. No! Ok, 6 des turf toe. Il s'est fait mal à un pied. Bon, ok. Puis Gary Albright, il reste 11 journées. Bon, avec 6 jours, on est correct. On va pouvoir se servir d'Hernandez au pay-per-view. Je suis content de ça. Ok. On regarde un peu les nouvelles. Sabu est blessé. Wow, pas grand chose, hein.
Ok, Kono a un contrat qui se termine aussi. Ben là, on veut le signer, Kono, hein? C'est sûr. Ok. Et je pense pas qu'on a rien en termes de. Faut regarder là. Non, il n'y a aucune autre offre qui a été envoyée au Great Muta. Donc, ça va bien. Ok, nouvelle rivalité à WWF entre le Million Dollar Man et l'Undertaker. Ok. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose là. On va continuer d'avancer. Mon Dieu, ce gars-là ressemble à Chris Benoit comme deux gouttes d'eau. Ok. Bon, c'est notre show ce soir, donc avançons. Bon, les incidents. Ok, un avec Antonio Inoki. Bon, Antonio Inoki a manqué une apparence pour les médias en pre-show qu'on lui avait booké. Il dit qu'il l'a oublié. Et maintenant, on doit faire ce qu'on va faire. On va lui donner un bon avertissement. Ok. Tatsumi Fujinami. Ah, fuck. Même chose pour Tatsumi Fujinami. Tabarouette. Un autre avertissement. Et entre Osamu Kido et Riki Shuzu. Osamu Kido et Riki Shuzu s'entendaient très bien backstage. Leur bonne humeur a été contagieuse et a augmenté le moral de tout le monde. Bon, ben, c'est excellent ça. Merci. Merci, Riki Shuzu. Bon, on va essayer un middle. À moins qu'on essaye de. On va essayer un middle, tiens. Tiens, avec Hashimoto. J'aimerais ça le mettre avec un. Un jeune lutteur, là, tu sais, mettons, contre le Great Suzuki. Non. Ok, donc je boucle le show et on se voit un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc le show commence. On est en pre-show. Hardbar, notre enhancement talent, affronte Steven Regal de notre développement. Hardbar vient à bout de Regal à 8 minutes 30 avec un Frog Splash, donc un bon petit combat d'ouverture entre les deux. Un autre combat avec un Enhancement Talent et un lutteur de mon développement. Biff Wellington affronte Psycho 6 et vient à bout de lui en 6 minutes 1 avec un Jumping Pile Driver. Encore une fois, tout à fait correct avec un D comme match. Et ensuite, un combat entre El Pantera de mon développement aussi et Black Uwazuma, qui est Scorpio. Un combat, un D+, c'est tout à fait bon. Une bonne performance de C- pour Yazuma. Le show commence et on commence avec un six-man tag et un bon petit match pour commencer. Cactus Jack, Masahiro Chono et Yukihiro Kanemura affrontent les Super Strong Machine, Hiro Saito et le Black Cat. Donc, bon petit combat d'ouverture avec des gars d'un peu partout sur la carte. Les champions par équipe sont là, mais perdre le combat, c'est Kono qu'on essaie de crédibiliser comme étant notre prochain challenger pour le titre mondial, qui l'emporte, il bat, il fait son Yakuza Kick sur Black Cat pour la victoire. En termes de performance, Kono a fait un base qui est très très bon. Et les autres ont fait C pour Cactus Jack, C moins, et D plus. Donc, bon, les autres ont fait un boulot correct. Un combat entre Jado et Super Delphine. Bon, entre Jado puis Super Delphine, ça clique pas beaucoup. Mais bon, Super Delphine vient à bout de Jado à 9 minutes 54. Performance de D pour Delphine, D moins pour Jado. Jado voulait pas perdre, donc il a fallu que je le fasse. J'y mette une note Keep Strong. Donc, voilà. On a un combat entre le Wild Bunch et Bam Bam Bigelow et Scott Norton. Un combat de Gaijin, plutôt bon. C'est le premier combat du Wild Bunch. J'ai fait gagner Bigelow et Norton. Ils en ont plus besoin. En fait, Norton en ce moment est un de nos gars avec le plus de momentum. J'aimerais ça être capable de faire de Norton un gros, gros élément de mon roster. Pour le reste, ben, les autres, tout le monde a fait un beau travail. Un C+, c'est très bien.
Billy Black a commencé un nouveau spot qui met en valeur ses techniques d'athlétique. Sa psychologie va être aidée dans le futur en utilisant ce spot-là. Excellent. On a une promo de Masahiro Kono en vue de son combat contre Rikichuzu. Donc un bon B+, ça c'est excellent pour nous autres. Un combat de Junior Heavyweight, cette fois avec 4 lutteurs face qui vont quand même bien. Donc... Great Suzuki, Jerry Lynn, White Pegasus et Ultimo Dragon. Je fais gagner Ultimo Dragon parce qu'Ultimo Dragon va affronter Kanemoto à notre gros show. Mais il vient de se blesser. Ah! Non! Sinon, Lynn et Suzuki ont fait un C. Ultimo Dragon a fait un C- et Pegasus a fait un C. Bon, un ankle sprain. Je pense pas que ça va être bien grave. Ensuite, un combat entre Masato Saito et Yuichiro Takeyama. Les deux lutteurs font un gros brawl. Ça se finit en double count-out après 13 minutes 15. Il n'y a pas de gagnant. Performance de D pour Saito. Et de C pour Takayama, mais Saito était vraiment fatigué à la fin de ce combat-là. Bon. OK. El Samurai affronte Koji Kanemoto. Et Samurai surprend Kanemoto avec une victoire avec le Samurai Clutch. Donc, une grosse victoire pour Samurai. Kanemoto voulait pas perdre. Je l'ai fait keep strong pour qu'il puisse accepter la défaite. C'est ça qui a baissé le rating du combat, j'en suis certain. Ensuite, on a Shamrock et Takayama qui continuent de s'engueuler en coulisses et qui recommencent à se battre comme des sauvages. Un, c'est moins. Ensuite, Kensuke Sasaki et Yoshiaki Yatsu. Étant donné que Hiroshi Ace et Sasaki, la chimie est pas là du tout, j'ai enlevé Hiro Ace et j'ai mis Yatsu comme partenaire. Et j'ai fait affronter le Great Muta et Kobayashi. Et surprise, surprise, Sasaki et Yatsu, ça va tellement bien qu'ils réussissent à vaincre le Great Muta et Kobayashi dans un bon combat de C+. Yatsu a subi une déshydratation pendant le combat. Mais le Muta a fait une performance de B, D+ pour Sasaki et C- pour Yatsu et D+ pour Kobayashi. Donc, je suis bien content. Un vidéo qui met en valeur Yushin Thunder Liger. Et notre main event, Antonio Inoki et Fujinami affrontent Animal Amaguchi et Shiro Kushinaka. Bon petit main event. C'est les heels, Amaguchi et Kushinaka qui, à la surprise générale, l'emportent sur Fujinami et Inoki. B+, la valeur du combat a baissé. Ça a été un combat qui valait un B, mais il a fallu... Fujinami refusait de perdre, donc il a fallu faire Keep Strong. C'est Kushinaka qui surprend Inoki avec une main dans les cordes. Il fait le pin avec les mains dans les cordes, donc Inoki reçoit le pin, ce qui n'arrivera pas souvent. Malheureusement, ça le fait que on est supposé faire un show qui fait un B de moyenne. On a fait un show avec un B moins. Donc notre popularité a baissé dans 8 régions, mais elle a augmenté dans une seule région. C'est ce qui arrive quand il y a trop de Keep Strong dans un même show. Ça baisse la qualité qui, je pense, valait un B pour ce show-là. Donc notre prochain show, ça va être notre dernier avant le show Escape. Et on va regarder d'abord. Oh, Sting a battu Ric Flair dans un show, dans un weekly show. Eh ben. Ok. Bon, on va regarder ça. Ok, bon. Yoshiyaku est blessé. Ultimate Dragon est blessé. Et Yatsu pas content de son push. Bon, ok, ça va. Et on complète la négociation de contrat. Bon, ok. Bon, si Yatsu est pas content. Ben, il va être un upper, ben il va être un upper mid-carder. Je me plaindrai pas de ça. D'ailleurs, ça ressemble à quoi là? 3 jours, c'est bon. 6 jours au Timon Dragon. On va les avoir pour le pay-per-view, c'est juste ça qui compte. Oh, faut lui donner une gimmick. Ok. Yatsu. Une face qui lui va bien. On va regarder dans quelque chose qui est bon là-dedans. Oh, legitimate. Oh, un opportuniste, ok. MMA badass. Martial artist, tiens. Martial artist, tiens. Et pour monsieur ici, qu'on n'a pas fait lutter au dernier show, mais c'est pas grave.
On va lui trouver un petit spot à un moment donné. Ah ouais, hein. Legitimate. MMA badass. Ah, on va faire ça. Ok, donc. Hero Ace va affronter Scott Norton finalement au lieu d'être dans le combat pour les ceintures par équipe. Là, on va faire un auto-push pour voir qu'est-ce qui va changer dans le roster. Donc, pas grand-chose qui a changé. El Samurai est rendu un upper mid-carder grâce à sa victoire sur Kanemoto. Puis, Hardbar est rendu un opener. Ok. C'est des choses qui vont bien. Takayama est redevenu un mid-carder, par exemple. Ok. Donc là, pour le prochain show, moi je ferai juste un single match. Liger s'est pas battu au dernier show, donc je vais lui donner le main event, tiens. Contre qui on le fait affronter cependant? Que je peux faire défendre son titre contre Black Cat? Waouh, ouais, ça peut être un main event acceptable. Liger qui va défendre son titre contre le chat noir. C'est bon ça. Et en fait, ça va donner un B, fait qu'on va espérer que ça continue dans cette veine. Donc on va avancer ça. De nouveau sous le soleil. Oh, des nouvelles pour Masahiro Chono qui signe. Nice. Et Hernandez est correct. Sinon, Yatsu est correct aussi. Oh, c'est Wrestle War qui a fait un B moins. Ah ouais, Butch Reed a battu Kevin Sullivan pour le titre de champion du monde, puis Lex Luger dans le main event a battu Barry Windham. Hey, c'est pas sexy ça comme carte. Non, pas du tout. On va continuer d'avancer. Oh, une entrevue avec Black Cat. Black Cat took part of a radio interview. One of the interviews. Oh, il aime travailler le opening match du show. Hey, on pourrait mettre ça en opening match du prochain show. Au lieu d'en main event. Ouais. Ok, des nouvelles.
Ton dragon est maintenant correct. Pas vraiment le goût de signer personne pour le moment. Ça a l'air de bien aller. On peut regarder, là. On peut regarder. Fujiwara. Tu vois, ça a l'air d'être un gros nom. $17,000 par mois, c'est quand même un bon montant. Pas l'air d'avoir grand lutteur intéressant là. Il y en a peut-être là, mais. Great Kawaki signé par la JPW. Ils ont tous les bons lutteurs, les enfoirés. Ils ont même. Savio Vega, Satanico. Chimikov serait intéressant, mais là, il est cher. Ryu Mago. 34 ans, des bonnes stats. Tant de popularité. Pas trop. Un bon lutteur de bas de carte. C'est bon, ça. C'est un bon ajout. Wow, le son là. Ok, des incidents. On va être 12, là. Bon, il y en a seulement deux. Billy Black et El Samurai. Billy Black a causé beaucoup de heat backstage alors qu'il a fait une mauvaise blague à El Samurai, ce qui a presque conduit à un combat. Qu'est-ce qu'on fait avec Billy Black? Ouais, un petit slap on the wrist. Mais El Samurai est pas content. Slap on the wrist, une petite tape sur le poignet. Mais El Samurai est pas content. Yoshiaki Yatsu. Yoshiaki est arrivé en retard. On va lui donner un bon avertissement. Ok. Rien de noteworthy en est sorti. Ok. Bon, si c'est ça. Tiens, mettons Inoki avec AC. Non. Rien de spécial. Ok, donc je book et on se voit un peu plus tard. Ok, donc, le show commence. Franz Schumann, notre dernière semaine talent, d'affronter Octagon de notre développement. Il le bat en 7 minutes 57 dans un combat très oubliable. Une performance minable de Schumann. Je pense qu'il n'est pas très bon, lui. On pourrait peut-être essayer de trouver quelqu'un de meilleur. Performance de D pour Octagon. Ensuite, Masahiro Uehara affronte Jerry Lynn. Donc,
Il y avait un manque de psychologie dans ce combat-là, mais une bonne performance de Jerry Lynn avec un C. C l'emporte avec, Lynn l'emporte avec un crowd pile driver à 6 minutes 8. Bon petit combat pre-show, à mon avis. Et Owen Hart affronte Animal Hamaguchi. Hamaguchi vient à bout, évidemment, de Owen Hart avec le spinning follow-away slam. Et fait un bon petit combat. Donc, pour commencer le show, Josh and Thunderrager affronte Black Cat. Ça donne un strong start à notre show avec un B-. B+, de performance pour Lager, C- pour Black Cat. Lager qui l'emporte, évidemment, clean. Et c'est tout. On a un combat entre Ken Shamrock et Bam Bam Bigelow. Bigelow surprend Shamrock avec un diving headbutt et l'emporte. Il n'y a pas eu beaucoup de selling dans ce combat-là, mais bon. Shamrock a un C et Bam Bam Bigelow a un B-. On essaie de monter le fait que Shamrock est peut-être un petit peu reckless dans sa façon de lutter. Puis ça lui apporte à avoir des erreurs. Le Great Muta et Hercule Hernandez affrontent le Wild Bunch. Wild Bunch perd encore, mais dans, fois, dans un combat meilleur que celui de la semaine dernière, Billy Black s'améliore sur plusieurs points. On va trouver une façon de mettre le Wild Bunch over, mais là on s'en sert pour aider d'autres lutteurs. Hernandez qui fait le Full Nelson sur Billy Black pour le faire abandonner. Un combat entre Koji Kanemoto et Super Crazy. Bon petit combat de C+. Kanemoto qui l'emporte avec un moonsault à 9 minutes 44 et se crédibilise un peu avant d'affronter Ultimo Dragon. Mike Awesome affronte Fujinami, un B-. Bon petit combat aussi. D+ pour Mike Awesome et B+ pour Fujinami. Fujinami a besoin d'être crédibilisé aussi. Une promo de Koshinaka en vue de son combat contre Fujinami. Donc Koshinaka du charisme, je m'en sers un peu de fois de temps en temps. Donc ça fait un B. Kensuke Sasaki affronte Hiro Saito, les deux moitiés de ceux qui vont s'affronter pour le championnat par équipe. Un brawl qui se termine avec un brawl où l'arbitre fait juste disqualifier les deux lutteurs parce que ça va trop loin. D+ pour les deux lutteurs. Un combat entre Black Kazuma et Minoru Tanaka contre Samurai et Great Suzuki. On sert à ce combat-là pour mettre un peu notre Samurai, continuer de mettre le Samurai en over. Samurai fait le pin sur Minoru Tanaka avec le Samurai Clutch. Performance, Yazuma et Suzuki ont fait C+ et B- respectivement. C- pour Samurai et D+ pour Tanaka. Un combat entre Shinya Mishimoto et Tatsushi Goto fait un B-. Belle performance d'Hashimoto avec B+, mais D pour Goto. Et notre segment final, un face-à-face entre Rikishusu et Masahiro Chono en vue de leur combat au pay-per-view. Anthony Inoki et Randy de Ram Robinson essayent d'empêcher... les deux lutteurs d'en venir au coup, ça se termine en chaos général. Chosu et Kono veulent s'en prendre un contre l'autre. Et un B- encore, ça nous fait perdre la popularité. C'est plate, ça. Mais on augmente la popularité dans une région et on en perd dans 8 régions. Il faut faire du B, en fait. Et là, on fait du B-. Faut dire que je fais pas tant lutter que ça mes lutteurs de haut calibre. Entre eux, j'ai fait surtout lutter contre des lutteurs plus bas. Donc, ça amène ça. L'opinion de Samurai. Samurai pense qu'on devrait se débarrasser de Minoru Tanaka. Et Gary Albright est de retour. Et 3.22 pour notre dernier show. Donc, voilà pour cet épisode-ci. Bon, un peu déçu, les deux shows. J'ai aimé mes deux bookings, mais par contre, j'ai perdu de la popularité. C'est des choses qui arrivent, on va s'arranger pour que les prochains shows, on n'en perde pas. Donc, j'espère que vous serez là pour le prochain épisode où on va avoir notre gros show, NGPW Escape. Et voilà, à la prochaine tout le monde.